Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Firewatch. C'est un jeu d'aventure que je surveille depuis pas mal de temps, donc je suis particulièrement content de pouvoir vous présenter ce jeu à l'avance. Donc les développeurs m'ont envoyé deux versions, une version complète que je ne pourrais vous présenter qu'à partir du 9 février parce qu'il y a un embargo, et une deuxième version qui est une version presse avec un contenu limité, donc on ne pourra pas aller vraiment loin dans le jeu. La raison est que l'histoire est vraiment importante et les développeurs ne veulent pas qu'elle soit spoilée avant la sortie. Le jeu va être vendu à 19,99€ au 9 février et en attendant vous pouvez le commander à 17,99€. Attention, le jeu n'est que en anglais et comme il y a des dialogues et que l'histoire est importante, il faut absolument comprendre un minimum ce qu'il se passe. Alors on est parti, on va effacer ma petite save, j'ai juste lancé le jeu pour voir s'il tournait bien. Et on est parti, on va voir un petit peu ce qui nous attend, on va le découvrir ensemble. Hein. J'aime bien sur les jeux linéaires que l'on découvre tout ça dans la vidéo. Alors, donc là, on a notre tourelle, on s'appelle Henri, on est dans la nature, et notre job est de surveiller que les bois ne prennent pas feu. Hein. Voilà, donc on doit prévenir les incendies. Donc on peut voir déjà, il y a un monde assez ouvert, même si l'histoire va être linéaire. Le monde est ouvert et il est d'ailleurs très beau, je trouve. Alors, on grimpe. Ah, la lune, très jolie. Elle est un peu plus grosse hein, que ce qu'elle devrait. Je pense que, ouais, elle est un peu grosse, là. Pas grave. Donc, on arrive à notre tour d'observation, qui est d'ailleurs... pourquoi est-ce qu'il a barricadé les fenêtres? C'est pas vraiment utile pour observer, hein, de fermer comme ça. Bon. Alors, regardons un petit peu. Hein? Quelqu'un nous a parlé. Alors, je vais juste voir ce que je peux faire. On peut le poser ou le regarder, ok. Alors, une radio, ok. Alors, appuie sur le bouton Shift gauche pour activer la radio. Et la molette pour sélectionner le dialogue, ok. Hello, whoever this is. It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So what's wrong? Recette de cuisson. That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine. Then can I sleep forever? Je vais vous traduire un peu après. Sure, buddy. Okay, now go ahead. Alors, donc elle nous a demandé qu'est-ce qui ne va pas avec nous, parce qu'en général, les gens qui viennent ici ont toujours un problème. Et donc là, elle nous demande de deviner ce qui ne va pas avec elle. Alors on va deviner, elle a tué ses anciens maris. Ok. Ok. You've killed three husbands. You're a black widow and you're just out here until the heat dies down and then you'll kill again. Ooh, very good. Bravo, Henry. Okay, I sleep now. Not quite. Now you. Okay. Good night. Bye. Let's see. I don't know anything about you, but 9 times out of 10, folks out here simply got dumped. Huh, is that it? Close? Good night. Good night. Welcome to the job. Ok, donc lui il voulait vraiment vraiment dormir et elle essaie de deviner ce qui n'allait pas avec lui. Mais bon, apparemment il a pas voulu dire. Donc alors premier jour, regardons un petit peu. Donc là, le soleil va se coucher, je pense. Elle nous voit? Elle nous voit d'où? Alors, on va devoir l'appeler. Alors, on reprend la radio. On active la radio. Et on lui parle. Donc là, on a ouvert, effectivement. Donc, c'était parfois ouvert. La vue est vraiment dure. Yeah, Jesus. I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. Un thermos, boîte d'outils. Ah, ok, la map. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne. You use this to spot, you guessed it, what the fuck? What is it? Ah, elle panique. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Alors, appuie N pour sortir le compas. Fireworks?
L'ouest. Ouh, ok. Il y a des gens qui ont fait des feux d'artifice. Ah oui, dans la forêt. I need you to confirm. Do you see them? Whoa, that's not legal, right? No. Ou si je dois marcher jusque là-bas, il faut que j'aille là-bas. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the stranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Ok, alors on va devoir y aller. Ok, est-ce qu'on peut les tabasser? No, Jesus, no. What? I'm not a cop. It's not like I've got a rule book over here. Just make sure they don't do it again. Take their shit. All right, fine. Don't feed anyone a knuckle sandwich. Ok. You'll probably need a rope to get down the shale. Alors, il nous faut. If I remember right, there should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Donc le code de toutes les boîtes est 1, 2, 3, 4, d'accord. Hop, convaincant. Alors là, je cherche un petit peu le matos qu'on peut avoir aux uns. Ok, donc tout est bon, c'est bon. Ok, on peut y aller. Est-ce que je dois apporter quelque chose? On ne peut pas prendre le sac. Est-ce qu'on peut prendre le thermos? Ouais, on peut le prendre. Non, on peut pas le prendre. On peut juste le prendre et le reposer. La boîte d'outils, on peut rien faire avec. Donc je veux juste voir qu'il n'y ait rien. Ouais, on n'a rien besoin d'emporter. Ok, alors. On est parti. On va devoir aller à l'ouest. Ah bah tiens, on ramasse le sac, c'est bien ce que je me disais. Hop. Alors ce qui m'embête un peu, c'est quand j'appuie Maj, je sors ma radio. Comment est-ce que je cours? Alors, M pour ouvrir la map. Ok. Waouh, ok, génial. Nous sommes où? Nous sommes là où ça? Où ça clignote. En tout cas, je sais que le feu est à l'ouest, donc on doit aller vers là-bas. Ok, donc on est parti. Ah, c'est R pour courir, d'accord. On peut pas aller par là. Alors, est-ce que je peux les voir? Toujours pas. Donc, elle nous a demandé de s'assurer à ce qu'ils ne refassent plus la même bêtise. Ah, 306, c'est ça ou pas? 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on a une carte? Alors, il n'y a pas de numéro. Ah, si, 306. Ok, alors, on a une corde. Ouais. On peut avoir ça. On peut la manger. Je vais la manger. Appuie sur E pour la manger. Ok, merci. Et si là, je peux pas le manger, non. Ok. Alors, ma boussole. Ouest, c'est par là. Ok. Ils doivent être dans le coin. Ils ont dit qu'on aura probablement besoin d'une corde, donc il faut sûrement descendre à un endroit. Ils sont où les feux d'artifice? Ils sont pas loin. Non. Il faudrait que j'aille en hauteur. Est-ce qu'on peut passer par là? Non. Ah, je pense que ça est peut-être par là. Okay. Ah, je suis coincé, je crois. Je suis coincé? Ok, c'est bon. Ah, voilà, là on a une meilleure vue et donc on a un endroit, effectivement. Alors. Comment on s'occupe? Voilà, on l'attache. Parfait. Attendez que je vienne vous taper dessus. Et on descend. Faut que je me rappelle de là pour remonter tout à l'heure. Je pense que j'aurais pu descendre là. Wow. Je pense que j'aurais pu descendre quand même sans la corde. Hein.
Ah, il est marié, vous avez vu. Et là, par contre, il fait un peu plus nuit. Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Ok, donc là, je pense pas qu'on va pouvoir Ah, si on peut encore utiliser la corde, mais le problème, c'est là, je dois aller où, du coup? Les gars ne font plus de feu d'artifice. Ils étaient dans le coin, plutôt par là. Alors. On dit qu'on a trouvé un bel endroit pour camper. Ah, là-bas, il y a du monde. Est-ce que c'était eu? Regardez ça. On peut nettoyer. Assez campeur quand même. Hein. Par contre, je sais pas où il les range. You know what? Fuck it, I'm not the maid. Ok. Alors, on a quand même nettoyé, même si apparemment le gars n'était pas fan. Et alors là, on... Oh, ils ont laissé... Ils ont laissé le feu allumé. Ils sont pas à côté. Donc là, on a des sacs à dos. They left their packs tied up here. The idiots down at the lake? Yeah, them. We just found where they're hanging out. Oh, look, they just... On reporte qu'ils ont laissé le feu allumé. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. Je peux le garder pour plus tard, le whisky. Oh, les feux d'artifice. On les confisque. On chope les canettes. On les nettoie. On fait notre job sérieusement. C'est pas bien, les gens. Hein, faut pas faire ça dans la nature. Du coup, ils sont partis. Ah, là, il y a autre chose. On dit qu'il y a... Ouais. Il se demande qu'est-ce qu'il va faire s'ils sont à poil. Est-ce qu'on peut confisquer les habits pour se marrer? Non, je peux pas confisquer les habits, zut. Alors, du coup, le gars a parlé d'un lac, donc je... Ouh, ok. Donc je pense que j'ai trouvé la direction. Un soutif. J'aurais cru que ça aurait été plutôt deux jeunes, hein, plutôt que un garçon et une fille. Est-ce qu'on peut... On peut le confisquer? Qu'est-ce qu'il... Il le garde? Ok, non, il l'a mis par terre, je me disais. Alors. Là, on a... Ah, ok. Là, on a une culotte. Ça me fait délirer, ça. Ah, de la musique. Alors là, c'est les... Il y a combien de culottes? C'est deux filles? Found them in the lake, naked. Skinny dipping. Yeah. Is that a guy over there? Oh boy. Enjoy dealing with that. Cool stereo. Oh, hey, what's that sound? Seriously, it was expensive. Fucking cool it with the fireworks. Please just put it down. We won't light anymore. Alors je leur parle poliment et ils nous envoient un petit peu boulet. On leur dit qu'on leur a confisqué tous leurs trucs, les feux d'artifice, le whisky et tout ça. Et elles sont pas contentes. Est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller. Non, on peut pas. Ok, donc elles nous ont insulté et maintenant elles sont parties. Ok, bon bah du coup on a failli se péter le dos hein, pour les prévenir. Et donc là on va devoir retourner. Ah, elle lui demande est-ce que ça s'est bien passé. Il dit que c'était ok. Hopefully there won't be any more trouble. Good. Thanks for going down there. Donc, du coup, on doit retourner chez nous.
On peut pas l'éteindre. Ah, si on peut l'éteindre, stomp, ok. Ok. Alors on va devoir remonter. Alors la chose embêtante, c'est que notre corde a pété, donc elle est plus installée. Ah, on peut... Ah, on peut demander comment on retourne. Near that big rock outcropping, but not sure how to get back. I'd head west, back towards the lake, and then turn north towards the canyon. Ok. Alors, ouest au... là-bas et au nord au canyon. D'accord. Donc, je range la map. Donc, elle m'a dit que j'étais allé un petit peu trop loin. Donc, théoriquement, le chemin du retour devrait être par là. Alors, je pense pas par là. On entend la musique à nouveau. Donc vers le nord. Oui, il y a une tombe ici. Ah non, ok. Donc ça c'est notre tour. Ok, il y a carrément un panneau qui nous indique comment rentrer. Ben génial. Donc on doit aller vers le nord. Là on va plutôt vers l'est. Le nord ça serait plus vers là-bas. Mais apparemment j'ai encore un chemin. Par ici. Le problème c'est que je suis où là? Ah ok. On voit le Two Fork Lookout qui est à l'est de là où on est. Bah, je vais devoir suivre la rivière. Hein. Ou pas. Je suis coincé là. Ah, si je pouvais descendre, ok. Donc il faut qu'on suive cette petite rivière super loin. Et alors, alors elle a une confession. I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. Elle était bourrée hier apparemment. It's fine. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Je trouve notre personnage un petit peu sérieux hein, dans les réponses. Oula, j'aime pas trop quand les endroits commencent à devenir étroits. Je suis pas claustrophobe, mais pas loin. Phobe. Alors, sortons la map. Du coup, il faudrait que j'aille maintenant vers le sud-est. Mais bon, le sud-est, c'est derrière la montagne. J'espère que je me cours pas de chemin. Parce que là, après, j'ai un gros retour à faire. Ok, boîte 303. 1, 2, 3, 4, les passwords. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un poster, on est au cache 303. Ah, une torche. Qui ne fonctionne pas. Ok. Ah. Ok, on prend la torche. Ah, ça tombe bien parce que je crois que je vais devoir passer par la cave. Ouais, je crois que je vais devoir passer par la cave. Ok, on l'allume. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks. NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So I say fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. Ah, ok, c'est quoi là-bas? C'est notre tour? Oula, il y a quelqu'un qui nous regarde.
there's some guy out here giving me the creeps. The creeps? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? Il est parti. I don't think so. Henry, there's something I... Something someone should have told you about this. Oula, elle dit qu'elle a quelque chose à nous dire sur la zone. It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Qu'elle se moquait de nous. Yeah, okay, I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Hop, on saute. Donc je contrôle pas les sauts, hein. Je peux pas sauter moi-même. Alors il était dans le coin. Et il a disparu, hein. J'aime pas trop ce genre de choses. Alors on est où? Alors il faudrait que j'aille au sud. Alors j'ai deux chemins pour le sud. On est là-bas ou on est ici? Ben, je suppose qu'il faut passer par-dessus la montagne. Donc on va aller en haut. Ok. Ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'il est pas... Enfin, on voit hein, les rochers qu'on peut grimper, mais ils brillent pas, ouais. Ils sont pas vraiment affichés par-dessus la végétation. Vous voyez, ça reste dans le décor, donc c'est cool. Ok, alors, bah tiens, finalement, je me dis que l'autre chemin aurait sûrement... Revenu par là. On grimpe. Je me demande si les filles ont rallumé le feu qu'on a éteint d'ailleurs. Ok. Donc pour grimper, hein, j'appuie sur espace et ça fait le job. Ok, alors j'espère qu'il n'y a personne qui va me pousser là. Non, c'est bon, ok. Ouais, j'en étais sûr. Ok, on est tombé en avant, on n'est pas tombé en arrière. Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the black path. It was backbreaking, but you know, anything for the service. Donc c'était un panneau qui disait que le chemin par là est bloqué. Donc, du coup, vu qu'on l'a versé, il dit que on l'a renversé, il dit que bah, le chemin n'est plus bloqué du coup. Alors on a des toilettes. Outhouse, ok, c'est les toilettes. On entend. On entend les petites. Alors, c'est le générateur, je pensais que c'était des. Je sais pas, des mouches. So this generator is all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas, and, well, you don't have much in the way of electronics, so. What about my hair dryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. I could never. Donc les dialogues sont sympas, ils sont marrants, pas, c'est pas des blagues, mais ils sont sympathiques. Hein. Si vous les comprenez, c'est un petit plus. Hein? Qu'est-ce que ça fait là? Well, my typewriter is on the ground outside of my tower. Ah, ok, donc c'était pas normal. Yeah, look, the wind? No. How the hell? Whoa. You should get inside. Fuck me. Ok. Ah, oh, j'ai cru que c'était un cadavre. Someone broke in. They what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Toi, je te remets là. Ok. Oh là là. Ok, donc du coup, ils ont carrément pété. Et qu'est-ce qu'ils voulaient voler ici? C'est pas comme si... Oh, peut-être, on avait peut-être des armes. The place is trashed. I can't believe this shit. Okay, I put in a call. Là, on a quoi? That was fast. Yeah, well... Do you have any idea who could have done this? Personne autour. Maybe that guy I saw in the canyon, but I don't know why the fuck. Donc elle demande qui c'est qui aurait pu faire ça. On dit que c'est peut-être le gars qu'on aurait vu dans le canyon. Je pense pas que ça puisse être les filles. Elles étaient à poil le temps qu'elles s'habillent. Je serais revenu avant elles quand même. Now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts. Great.
Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. Donc là, ils vont voir s'ils peuvent avoir la liste de noms de gens qui sont rentrés dans le parc. Ouais, non, je vais pas laisser. Don't worry about it. Oh, you can protect yourself, huh? I just don't worry about it. Perfect. Keep that attitude up and you'll have an excellent summer. Ah. Donc alors, bah on passe au deuxième jour et je me rends compte qu'en fait, il est vraiment pas en sécurité, le gars ici. Hein. Il est dans une tour super haute, en bois pourri. La vitre est pétée, il n'y a pas de lock sur la porte. Ah, ok. On reprend la radio. Alors, on est réveillé. Il y a une tempête, apparemment. I tried radioing out, and that's not working either. I don't really know why that would be the case. Can I go fix it? Well, you probably can't, but what you can do is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Then I can track down a ranger to get someone on it. D'accord, donc on va devoir retrouver si la ligne de communication est pétée chez nous. Yeah, of course. So you're going to want to go back there, go through it and keep going straight to the north when you come out. OK, on doit retourner à la cave là où on était. It's Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. OK. All right. OK, donc on doit aller à la cave et ensuite on doit aller au nord de la cave. Donc ce que je vais faire, vu qu'on en est à 30 minutes, si vous êtes intéressé, ben je vais continuer à vous montrer la suite de l'histoire. Donc je vais faire un deuxième épisode aujourd'hui, donc on continue l'histoire.